Salut et bienvenue chez Aquatropique. Et ici nous sommes à Souman. Vous allez voir un petit magasin extraordinaire. Ben voilà, ben nous sommes rentrés dans le magasin. Alors, moi je trouve qu'à première vue, c'est pas si grand. Mais alors par contre, c'est super bien optimisé. Ah oui, ici, vous trouvez tout ce que vous voulez, mais c'est incroyable la place. Regardez sur le plafond. Alors, je suis venu il y a 2 ans et j'ai trouvé ça génial. Et que y a plein de spectateurs qui ont dit waouh, c'est un truc où on n'en voit plus dans le monde d'aujourd'hui. Et regardez-moi tous ces produits. Mais il y en a de partout, il a optimisé au centimètre près. Ça, c'est la porte d'entrée, ok? Et regardez ça. Mais vous trouvez tout, sérieusement. Alors attendez, je vous fais une 360. Regardez, tac, là. Et là, vous avez des petits bacs, des pompes, les alimentations au plafond là-bas. Ensuite, on continue avec les filtrations, des UV, les petits filtres, y en a des chauffages, des bulleurs, les roches, des petites racines. C'est un petit magasin comme en Thaïlande. Exactement. Alors là, ici, la particularité, c'est que ce monsieur, il vous répare tout. Vous avez vu des rotors qui est là-bas. Il y a des rotors, il y a des petits bouchons pour les néons de T8, des ailettes, des trucs comme ça. Et il y a plein de choses. Et il en a plein de boîtes pour réparer tout ce que vous voulez. Mais vraiment tout. Quand je peux. Quand il peut, bien sûr. Mais vraiment tout. Vraiment tout. Et là, ici, c'est la nourriture. Il y a plein de choses. Voilà, Tubifex, Artemia. Il y a tout. Et en haut aussi. Oh, j'ai pas vu. Voilà. Allez, on va voir à côté. Parce que là, il y a plein de poissons. Voilà, plein de poissons. Et il y a des escalators qui est là. Alors, ici. Ici, on a des mousses. Voilà, toutes sortes de mousses, je pense. Et ici, des poissons qui sont là. Il y en a plein de poissons. Il y en a plein de poissons. Et encore au plafond, mais vraiment optimisé. Il y a voilà, il y a toutes sortes de produits. Il y a des aquariums, des LED, des chauffages, les cannes de rejet, les cannes d'aspiration en haut, des rampes, des posters, des pompes à air et des jolies scalaires. Magnifique scalaire. Et ici aussi, il y a des scalaires. Et après, il y en a plein de partout. Je ne sais pas où donner la tête. Alors, en bas, c'est du gravier, du sol, du sable. Et les roches, des cailloux. Enfin, tout. Voilà, tout. Vraiment voir de partout quoi, c'est un truc on dirait dans un bouig-bouig en Thaïlande ou au Vietnam, un truc de fou. Ah, y a plein de petits trucs, des tuyaux, des pompes. T'observes quoi. Il faut ouvrir l'œil. Si vous cherchez un truc, le mieux c'est de lui demander carrément ce que vous voulez. Voilà, ici vous avez des Taiwan Bee. Et après, ici, ce côté, vous avez des autres... Les plantes ne restent pas encore, elles sont plantées directement. Ouais. Voilà, là, il y a des crevettes qui sont Taiwan Bee, ouais, bien sûr, bleu, panda. Et après, ce côté, il y a... Ouais, ben, il y en a... Ils sont plantés, hein, elles sont... Là, en principe, il y a ça et ça. Voilà, des pintos. Alors, je continue, les amis. Du sud de la France jusqu'ici. Alors, je continue à traverser cette petite pièce qui doit mesurer dans les... Allez, on va dire, en gros, 1m60
sur, on va dire, allez, on va dire 7 mètres, 6-7 mètres. Pour pas être plus le trou, quoi. 6-7 mètres, et en hauteur, bah, je pense que 3,50 m, et ben c'est tout rempli. Voilà, c'est tout, partout rempli. Ici, il y a un petit lévier pour nettoyer, pour les épuisettes, pour les infecter, tout ça. Ici, il y a plein des épuisettes aussi, des infectés. Voilà, et plein de bacs. Il y a plein de bacs là. Je vais essayer de trouver quelque chose de rare et de un peu spécial. Alors les amis, j'ai trouvé quelque chose de super rare. Vous voyez cet escargot là, je sais pas comment ça s'appelle, mais il est aussi gros qu'une pièce de 2 euros. Incroyable. Là c'est pareil, vous avez des escargots énormes. C'est des Ampullaria. Je pense que c'est ça. Alors le nom, ça doit être ça. Je pense sûrement. Ampullaria Ramson Escargot. Bah ça ressemble en tout cas avec la coque et tout. C'est énorme. C'est des trucs énormes. Alors ça c'est des handlers, mais ils sont vachement beaux. Regardez des handlers. Alors. Ça, c'est des guppies qui sont un peu, on va pas dire exceptionnel, mais c'est quand même très très beau. Les Cap Lopez du Brésil. Des Cap Lopez du Brésil, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est le patron qui l'a dit. Donc, il est tout en haut, je peux pas monter. Ah oui, il y a un truc qui est très 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 chelou et spécial. C'est les daniaux géants. Alors les daniaux géants, là en gros il a 10 cm. Donc voilà, c'est marqué dessus. Daniaux géants. Donc c'est 10 cm, donc c'est exceptionnel. Enfin c'est très rare on va dire. Alors ça c'est des Gérino Gond. On n'en trouve pas beaucoup ceux-là. C'est les nettoyeurs de fond. Et ce côté, c'est pareil, il y en a quelques-uns. Et ça, vous mettez dans votre bac, ça nettoie bien, mais après quelques années, il devient chiant, il devient un peu emmerdant. Emmerdeur, les... tout ça. Et là, on a des handlers Wiggy, qui est pas mal, qui est très très joli, c'est un très beau poisson. Voilà, ça c'est une autre souche de handler et c'est joli comme tout avec leur petite queue là, tout rouge. Alors ça aussi c'est une variété qui est sympa, on n'en trouve nulle part et c'est très joli. Il y en a, j'espère que j'arrive à le capturer quelques-uns comme ça. Bon les amis, on a fait un petit tour vite fait, mais il y a beaucoup de choses. Alors c'est un vieux monsieur qui est très très passionné. Si vous venez ici, il vous donnera plein de conseils. Il cherche pas vraiment à vous vendre des trucs, mais vous trouverez tout ce que vous voulez. D'ailleurs, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, je vous montrais du sol au plafond, il y en a tout de partout. Donc voilà, les poissons, c'est toujours pareil, c'est toujours même, c'est toujours les mêmes poissons, même fournisseurs, donc les poissons, les crevettes et tout. Mais franchement, le matos, regardez-moi, jusqu'au plafond, il y en a de partout. Et le présentateur, vas-y, dis quelque chose. J'ai envie de dire, ben voilà. Bon, ok. Il peut pas prendre ma place. Non, c'est pas possible. Je voulais juste passer, lui dire bonjour parce que la dernière fois que je suis venu, il est tellement gentil, tellement sympa. On a discuté beaucoup de choses, partagé plein de petites connaissances et tout, des petites astuces et tout. Il m'a donné pas mal de petits conseils et tout.
Donc, c'est la moindre des choses de venir lui dire bonjour et puis de discuter un petit peu avec lui et de voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté et tout. Donc, voilà. Donc, là, j'espère vous voir la prochaine vidéo. En tout cas, si tu aimes cette vidéo, mettez le pouce bleu, s'il te plaît. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'il y en a encore d'autres vidéos qui vont arriver. Allez! Salut les fans d'Advocat et merci pour le petit intro de ce jeune homme, mon caméraman. Ciao.